les dimensions du partenariat. En Bucarest, le président roumain Klaus Iohannis estime aussi que le partenariat stratégique avec Washington a joué un rôle déterminant dans la course à l'ensemble de notre pays. Il a aidé à élargir la coopération bilatérale et internationale et à consolider la relation transatlantique, tout comme la relation entre les deux peuples. Et je cite, un quart de siècle après sa signature, la Roumanie et les États-Unis sont engagés à élargir et à approfondir toutes les dimensions du partenariat stratégique, à commencer par la coopération bilatérale excellente dans le domaine de la sécurité et de la défense, jusqu'à celle du domaine économique, de la sécurité énergétique, de l'éducation, de la recherche et des relations interroulines. Fin de citation. C'est ce qu'écrit dans un communiqué l'administration présidentielle. Bucarest estime aussi que la solidité du partenariat stratégique avec les États-Unis a été prouvée par la plus récente annonce du leader de la Maison-Blanche, Joe Biden, concernant l'intention de renforcer la présence militaire américaine sur le territoire roumain. Et je cite encore, la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine a été grave conséquence au niveau mondial et dans des secteurs clés. Tout cela nous détermine à agir ensemble, plus unis que jamais, pour trouver des solutions, tant au niveau bilatéral qu'euro-atlantique, afin de consolider et de protéger les valeurs, la sécurité et la résilience de nos sociétés, écrit encore le chef de l'État roumain. Et le Premier ministre roumain, Nicolae Ciocu, renchérit, je cite, « Développer le partenariat stratégique avec les États-Unis à tous les niveaux de la coopération est une priorité pour la Roumanie. » Fin de citation. Enfin, le ministère des Affaires étrangères de Bucarest a contenu le message suivant, je cite, « La coopération étroite et substantielle dans le domaine de la sécurité et de la défense a toujours été consolidée, si bien qu'elle est une composante vitale du partenariat stratégique entre la Roumanie et les États-Unis. Son importance était davantage mise en évidence sur toile de fond de l'invasion illégale, non provoquée et injustifiée de la Russie en Ukraine. » Fin de citation. C'était le message de la diplomatie de Bucarest. Autant de messages donc transmis par les deux parties à l'occasion du 25e anniversaire du partenariat stratégique roumano-américain, témoignant des fortes relations qui existent toujours entre les deux pays et qui en fait ne cessent de se renforcer. Nationalisation durant l'époque communiste a rétrocédé aux anciens propriétaires après 1989, mais souvent délaissé par ceux-ci, les immeubles du patrimoine de la capitale romaine représentent un facteur de risque potentiel pour les habitants en cas de séisme majeur. La situation de l'édifice historique est grave. Dans Société, sur Radio Roumanie Internationale. L'un des